à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour un haul de chez Shein, donc c'est pour mon troisième. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous montre les articles et j'essaye après. Je vous montre essayer, je vous dis ce que j'en pense et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous aimez ces vidéos. En tout cas moi j'adore les tourner. Et j'aime beaucoup ce site, du coup j'en suis devenue mais accro, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc on commence tout de suite parce que là il y en a pas mal aussi. Donc pareil, j'ai reçu, moi j'ai pas encore reçu de carton, j'ai toujours reçu dans la petite pochette comme ceci. Donc celle-ci elle était bien pleine. Donc déjà il y a pas mal d'articles moi que j'ai dans mes commandes, que j'ai commandé, qui sont soldés en général. C'était les seuls quoi. Donc c'est sûr que bon, les fêtes sont finies et tout ça, mais c'est vrai que j'ai rien en pailleté, en rouge pour les fêtes et tout. Et j'ai trouvé cette jupe qui était soldée sur Shein. Donc voilà, elle est très pailletée, très argent, mais franchement j'ai kiffé. Elle est super jolie. Du coup, la fermeture, toujours pareil. Ça, c'est vrai que la fermeture pour fermer, c'est un peu galère, c'est tout fin en fait. Donc, du coup toute seule c'est un peu galère. Il devrait mettre un truc plus pas plus épais, mais pour tenir le truc, pour tenir en fait, qui est voilà. Mais sinon franchement elle est trop jolie, donc je vous la montrerai essayer. Mais elle est franchement, la qualité top, les finitions, rien à dire. Vraiment je suis trop contente, elle est trop jolie. Après, c'est quoi celle-ci? Bah, c'est une robe pull, un peu comme dans le deuxième. Pas un peu, parce que là j'ai pris une robe pull comme ceci. Donc la couleur camel. Avec les épaules bouffantes, je trouve que c'est vrai, ça fait tout simple. Ça fait un petit effet. Avec des petits boutons sur les manches. Donc pareil, là c'est avec des rayures comme ceci. C'est du coton, je pense. On va regarder sur le. Non, polyester, mais ouais, et spandex. Mais elle est très très bien, franchement. Et voilà, donc je suis trop contente. L'autre article. Ah. Là, c'est un pull sur le site, franchement, je le trouvais vraiment trop trop beau. Alors, il se présente comme ceci, donc c'est en couleur camel. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec le rouge, le camel et le beige, je trouve que ça fait super bien. Du coup, je me rachète des choses un peu. Là, franchement, je m'achète des choses blanches parce que j'ai rien du tout, quasi. Donc, il se présente comme ceci. Déjà, il est. Franchement, j'ai pris ma taille, mais vous allez voir porter. On peut en mettre deux comme moi dedans. Donc, au début, celui-ci, j'ai hésité à le. Vous allez voir, vous allez me dire. Après, j'ai demandé des avis. On m'a dit de le porter avec une ceinture. C'est vrai que j'avoue que je l'ai porté avec. Et ça rend mieux, vous allez voir. Mais celui-là, j'étais mitigée. Pourtant, la qualité, franchement, elle est top. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est un gros pull bien épais. Les finitions sont. Rien à dire. Franchement, voilà. Mais sur moi, je sais. Voilà. Après, j'ai pris un autre pull. Pareil, il est très épais. Il est super doux. Comme ceci. Donc avec la petite dentelle sur le col, je trouvais ça super joli. Par contre, c'est vrai qu'au début, quand j'ai ouvert et que j'ai dit, oh, il est un peu court. Mais en fait, non, ça va. Porté, bon, bah, quand on lève les bras, c'est sûr, ça se lève un peu. Il est rose très clair. Franchement, vous voyez, la qualité, elle est. Il est top, il est franchement trop trop bien. Celui-là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Après, j'ai pris ce haut noir comme ceci. Voilà, il est franchement trop beau. Avec les manches bouffantes, transparentes, avec des. Vous allez voir en vidéo, mais. Franchement, j'adore, ça fait trop classe, c'est trop joli. Donc voilà, j'ai pris ce petit haut-là noir. Celui-là, je pense que je vais repousser. Parce que souvent, des fois, il n'y a pas les plusieurs couleurs. Donc c'est vrai que c'est chiant parce que quand on aime un haut, moi j'aime bien des fois l'avoir en plusieurs couleurs. Alors c'est celui-là. Quand j'ai ouvert, j'avoue que
Il est comme ceci, donc avec le petit foufou, ça. Voilà. Vous allez voir porter. Bon, je l'ai payé que 2,55 € celui-là, je sais, parce que pareil, j'ai hésité. Alors, envoyé, je me suis dit, bon, bah, pour 2 euros, je vais pas. Voilà. Mais mon mari, je l'ai essayé devant mon mari, m'a dit, non, ça va, il est bien et tout. Donc, bon, je vais le garder. Mais vous allez voir porter. Et le dernier article de cette troisième commande, c'est encore une robe pull, mais celle-ci, elle est plus fine. Donc voilà, les manches bouffantes, elle est un peu gris foncé. Voilà, les longueurs des robes pull que j'ai reçues, elles sont top, à part celle, la pull, celle-là, c'est en bas, pourtant c'est coton, 35 coton et polyester et spandex. Donc voilà, je vais vous essayer tout ça, mais franchement, la qualité, pareil, celle-ci. Vous voyez, c'est plus sur celle-ci où j'ai eu des articles un peu, où je suis un peu mitigée. Mais sinon, la qualité est là. Les tailles. C'est vrai que pour les hauts, il y a certains hauts où en taille S, je suis quand même. Vous allez voir, le violet, j'aurais pu le prendre en M parce qu'il est très serré, le noir aussi. Donc c'est ça, c'est que des fois, les pulls, bah, en S, on peut en mettre deux. Que les voilà, donc comme moi j'ai pas trop de mètres encore pour là, j'en ai commandé un du coup. Ça c'est voilà, il faut regarder bien. Moi je regarde quand même les commentaires, voilà ce que ça dit, s'il faut prendre une taille au-dessus ou pas. Donc n'hésitez pas à regarder les commentaires et tout ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur les tailles ça va quand même. Voilà, donc je vais essayer tout ça et je vous montre la robe grise, la dernière que je vous ai présentée. Donc vous voyez les épaules bouffantes, franchement je trouve que ça fait tout de suite un petit effet classe. Vous voyez c'est du taille S, hein, moi je mets du S. Bon elle n'est pas très très près du corps mais j'aime bien quand même parce que voilà aussi c'est bien. La longueur est top parce que moi j'aime pas quand c'est court. Après bon moi je vais argumenter avec des accessoires, ceinture. Voilà donc mais j'aime beaucoup, elle est très bien, on est très à l'aise dedans. Mais justement, j'aime pas trop non plus des fois quand c'est trop moulant parce que du coup ça a tendance à remonter. Donc là, celle-ci, je pense qu'elle va être parfaite. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Pareil, je poste maintenant mes looks du jour. Quoi, pas tous les jours parce que quand je travaille, je peux pas m'habiller classe. Hein. Mais le week-end en général, voilà, je commence à poster les looks. Donc vous verrez poster, porter et tout ça avec chaussures et tout. Donc voilà, je vous passe le reste. Donc voici la deuxième robe pull avec les boutons. Franchement, ça fait bien. Pareil, les manches bouffantes. Par contre, je pense qu'il faut mettre des sous-vêtements. Vous voyez, là, on voit tout le piercing. Voilà, des sous-vêtements couleur. Je crois que ça existe qui collent à la peau, quoi. Parce que là, on voit tout. Elle est, bah, je pense qu'elle est quand même transparente, du coup, parce que elle est très, celle-ci, très moulante. Elle est un peu plus courte, vous voyez. Elle est un peu plus sexy, on va dire. Voilà, mais j'aime beaucoup quand même. Elle est très jolie. Donc, vous voyez, ce qui est moulant, après, c'est sûr, c'est sa tendance, vous voyez, un peu à remonter. Donc, on est toujours en train de faire ça. Mais bon, elle est très jolie et j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je vous montre le petit pull rose. Donc, vous voyez le détail de la dentelle. Je trouve ça très joli. Vous voyez, les finitions, elles sont quand même. C'est une petite peluche, je crois. Elles sont très bien faites. Vous voyez, il est court quand même. Mais il est quand même très joli, j'aime bien. Bon, les manches sont un peu longues. Bon, après, je sais pas, ça, je vais retrousser. Mais vous voyez, c'est une taille S. Hein. Il n'y a que les manches, voilà. Je pense que. Mais bon, ça, en faisant comme ça ou en retroussant un peu, il n'y a pas de problème. Mais la qualité. Et tip top, donc il est vraiment très joli, j'aime beaucoup, même s'il est court. Bon, après, moi je mets un débardeur parce que j'aime pas trop qu'on voit mon bidou. Puis quand il fait froid, j'ai envie de dire, j'ai pas trop envie que l'air passe dans mon ventre, mais voilà, il est très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà le petit haut noir avec les manches à dentelle, voyez, ils sont bouffantes, transparentes. Elles sont franchement, il est trop beau quand je l'ai essayé, j'ai trop aimé. Mais le problème, bah, c'est que quand même, il est. Voilà, c'est une taille S. Mais j'aurais pu prendre M. Parce qu'il est très très serré. Est-ce qu'il va se détendre un peu? Je ne sais pas. Parce que du coup, il a tendance à remonter.
Donc voilà, après, bon, ça me saoule un peu de le renvoyer pour en reprendre un autre. Donc je le garde, mais bon. Mais j'aurais pu prendre une taille M. Mais celui-là, franchement, ça a été mon coup de cœur. Il est vraiment trop, trop joli. Voilà, il est très, très beau. Après, c'est que le truc, c'est ça va tendance, voilà, à remonter, quoi. Mais il est très joli. Donc, je vous ai mis le pull camel. Voilà, il est comme ceci. Il est quand même joli. Il est très épais. Voilà, comme je vous ai dit, rien à redire au pull. Il est vraiment qualitatif, top. Mais voilà, je peux en mettre deux comme moi. C'est vrai que bon, j'avoue, j'avais essayé avec une jupe que j'avais, la jupe que j'avais reçue, c'est vrai que ça faisait pas tip top. Avec un jean, c'est vrai que ça passe. Après, j'ai essayé avec une ceinture pour du coup plus mettre la taille en valeur et ça fait plus joli. Donc voilà, donc au début, j'avais hésité à le renvoyer ou pas, mais en fait, non, j'aime bien. Donc voilà, il est comme ceci, mais franchement, la qualité est géniale. Rien à dire. Mais c'est vrai que les tailles, vous voyez, d'un article à un autre, des fois, les moulants, je pense qu'il faut que je prenne une taille au-dessus. Et les pulls, même XS, je pense que voilà. Donc c'est, faut vraiment regarder vos tailles. Donc voilà, je vous montre le petit haut violet. Donc avec les petits détails, le col comme ceci. Vous voyez, il est beau, il est simple quand même, hein. Mais je déteste pas, je sais pas trop celui-ci. Bon, après, j'ai dit que je le gardais pour 2,50 €, voilà. Mais c'est vrai que je savais pas. Et puis mon mari me dit non, il est mignon, ça fait bien. Donc après, je pense que rentrer dans le jean avec un petit, voilà, des petits détails de. Ça fera plus joli. Mais bon, il est pas moche, il est pas. Il taille quand même bien, il est bien, il n'y a pas. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais un peu mitigée sur celui-là, je savais pas trop. Du coup, voilà, je vous poste le dernier, la jupe argentée. Donc voilà pour la jupe argentée. Vous voyez, la longueur est top, elle est pas courte. Elle marque bien la taille, du coup. Parce que moi qui ai un petit bidou, bah franchement, ça va. Je me sens pas trop serrée dedans, je suis bien. Elle est franchement, moi j'ai essayé avec ça, mais ça fait pas très joli, hein. Elle est franchement très très jolie. Je suis trop trop contente de l'avoir prise. Surtout comme je vous ai dit, j'avais rien de pailleté, rien de fait. Du coup, quand j'ai vu cette jupe-là, elle était soldée. Je crois que je l'ai payée dans les 8 €. J'ai dit, allez, vas-y, je vais essayer. Après, moi, c'est vrai que comme j'ai du bidou, la taille, je sais pas si c'est S, M. Parce que j'aime pas être compressée non plus. Parce qu'après, je suis pas bien. Donc voilà. Mais franchement, je suis trop bien dedans. Elle est franchement, c'était mon coup de cœur de cette commande. Vraiment, j'ai vraiment adoré, adoré cette jupe. Donc voilà, j'ai trop hâte de la porter pour les fêtes, quand on pourra faire des soirées. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà ma troisième commande qui a été un peu plus, voilà, des choses un peu plus où j'ai un peu hésité. Les tailles, c'était pas trop ça. Voilà, c'était. J'ai pas eu de déception en soi, mais un petit peu voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on commande comme ça sur internet, c'est vrai que c'est difficile, on peut pas essayer, du coup voilà, c'est compliqué, mais franchement, ça taille quand même très bien, Chine. Franchement, je suis quand même super contente. Là, j'en attends encore une autre que mon mari m'a fait pour la Saint-Valentin. Du coup, je vous montrerai ça. Donc, j'ai trop hâte de la recevoir, c'est totalement différent, vous allez voir. Mais j'ai trop trop hâte, il n'y a pas grand chose dans, y a, ouais, dans cette commande-là, il n'y aura pas grand grand chose, mais je vous montrerai. Donc j'espère qu'en tout cas, ces vidéos vous plaisent. Moi j'adore. Bon, ça fait du sport de se changer les habits, mais j'aime beaucoup. Donc dites-moi en commentaire surtout. N'hésitez pas à voilà, mettre un petit commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir, ça encourage. À vous abonner aussi, c'est vrai que ça nous donne plus envie aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, moi je suis super contente. Franchement, comme je vous ai dit, moi ce site, j'en suis devenue mais accro. Je suis une fois par jour dessus. Et je suis devenue vraiment très accro. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vous fais tout plein de gros gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye bye.